Goûtez-moi ça. Un délice, n'est-ce pas? La bisque de homard Liebig, elle est tellement bonne qu'on ne peut pas s'empêcher de la faire goûter. La bisque de homard Liebig, goûtez-moi ça. Avec tout ce qui se passe à la laiterie, on a besoin d'un bon nettoyant industriel. Vigor. Et à la maison aussi, j'ai besoin d'un produit efficace et économique. Avec Vigor, j'ai pas de traces. Mon carrelage, je le retrouve comme neuf. Vigor, la puissance industrielle au service de vos sols. Des coquillettes, des tortues, Don Patillo. Don Patillo, as-tu bien mérité tout ça? Oh, Seigneur, ce ne sont que quelques pâtes. Des pâtes, oui, mais des panzanis. Oui! Noël, Noël, oui, mais de panzanis. Soi-même du thé à la menthe, faut du thé, de la menthe, évidemment, c'est pas simple. Vous avez une autre idée? Oui, le thé vert à la menthe de l'éléphant. Le thé vert à la menthe de l'éléphant, c'est plus simple et c'est très bon. Thé aromatisé éléphant, mettez-vous au parfum. Qu'est-ce que tu tousses? Va prendre du sirop codotussil. Le sirop codotussil fait taire votre toux. Je me sens mieux. J'ai passé une bonne nuit sans tousser. Codotussil sirop contre la toux, pas d'utilisation prolongée, sans avis médical. Depuis de longues années, de grands fabricants de lave-vaisselle travaillent en collaboration avec Sun. Étudiés et mis au point ensemble, Sun et votre lave-vaisselle se complètent. Pour que votre lave-vaisselle vous offre jour après jour des verres transparents comme l'eau claire, offrez-lui Sun Lavage, Sun Rinçage, Sun Régénérant. Sun, la gamme complète, essayée et approuvée par des grandes marques de lave-vaisselle. Ah, merci, Mme Jassion. La petite tache de sang sur le devant, j'ai eu du mal à la voir. Ah oui, c'est dans le car l'autre jour, un type qui saignait du nez. Il devait en voir de drôle, hein? Bah oui. Oh, il en faut du courage pour faire ce que vous faites, Monsieur Jean. Faire le flic tout en continuant vos études, chapeau, hein? Faut bien. Je connais pas mal qu'il faut bien en prendre de la graine. Bon, eh ben, merci, Mme Jassion. Et ce soir?
Ben, je suis de service. Le soir de Noël? Police secours, c'est 24 heures sur 24, dimanche et fête. Un vrai métier d'homme. Oh, j'oubliais, on vous demande au téléphone dans la loge. Ah bon? Oui, n'oubliez pas vos clés, hein. Ah oui, merci. C'est drôle, je viens justement de le trouver dans le polycopier que vous m'aviez passé. Hein? Oui, oui, j'étais en train de travailler. Oui, d'autant que rouler sans permis, c'est un délit. Non, je vous dis, c'est ça, moi. C'est pour vous. Maintenant? D'accord, dans un quart d'heure. Tout de suite. Merci, madame Jassion. Vous avez des problèmes? C'est vraiment les chiens de garde de la société bourgeoise. Quel con! Tenez votre permis. J'espère qu'ils m'ont pas suivi. Vous les aimez pas, vous non plus? Oh, oui et non. Vous avez soif? Je voudrais un bi-permis. S'il vous plaît. Les sous-ensembles, les ensembles. J'ai jamais fait ça, moi. Déjà que j'avais du mal à comprendre les problèmes de robinet, de train. De mon temps, c'était surtout les trains et les robinets. Ça fait rien. Je demanderai un copain à la rentrée. Tu m'en veux pas? Non. Il y a quelque chose qui te ferait plaisir pour ce soir? Non. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit gigot? Avec... Si tu veux. Alors, on pourrait commencer avec quelques huîtres. À propos, pour ce soir... C'est bientôt fini. Chacun a pris la pose comme chez le photographe, mais c'est pour l'éternité. La Sainte Vierge et Saint Joseph qui regardent dormir le petit Jésus qui adore. Ils ont la tête penchée sur l'épaule. Et ça durera jusqu'à la fin du monde. Il est né le divin mignon, le fils de Joseph. Vous avez vu la date, les enfants? Vous vous rendez compte que nous jouons ce soir? Monsieur Gonzalez, il est un peu triste, votre bœuf. C'est gai, la pastorale. Je sais, monsieur Valdel, mais j'ai le trac. Il faudrait répéter cet après-midi. Vous savez bien qu'Abel ne peut pas. Ah, non, je prends mon service à 15 heures. Monsieur Fouque, il est prêt, votre costume d'âne? Presque, monsieur Gratiani. Ma femme finit de me coudre la queue cet après-midi, ça ira. Très bien, monsieur Fouque. Complètement nul, de Gonzalez. Il est jaloux. T'inquiète pas, Abel, tu seras très bien. Je crois qu'il est parti. Qu'est-ce qu'il fait à part ça dans la vie? Gonzalez? Ouais. Il est brigadier de police.
Tout ça parce qu'il a été boy dans un cabaret, dans le temps. Cabotin. Pas de problème pour la Vierge Marie, côté costume? Non, non, ça va. Non, il faut que je passe chez Simone cet après-midi pour le prendre. Et pour Abel? Non, non, il sera prêt vers 16h, je passerai avec le car. Vous finissez quand? 23h30, je viendrai ici directement après le service. Bon, allons-y, on revoit la scène du ravi. Joseph. Ne pars pas. Coup de soleil, ça. T'es bien? Mais non, je peux pas, je prends mon service à 15h. Pour ce soir, c'est promis? Juré. J'achèterai des huîtres. Pas que ça aphrodisiaque, des huîtres. Oui. Et ta femme? Quoi, ma femme? Elle sait où tu es? À l'entraînement de foot. Allez, asseoir. Attends. Je sais pas le plan. Tu seras mon petit Noël? Oui, c'est promis. Je passais. Il n'y a pas possible depuis ce matin. J'en ai pour 2 minutes. Écoute, j'ai pensé. T'as pas froid là? T'es assez couvert? J'ai l'habitude. Ouais, j'ai pensé que bah, ce soir, après le service, on pourrait réveiller ensemble. Si tu veux. Si tu veux. Et Pierrot? Avec Pierrot, bien sûr. Non, mais tu lui en as parlé? Oui. Non. Non, mais je vais le faire. C'est quand même pas à lui de décider qui vient à la maison et... Non, mais moi, je veux pas que ça fasse d'histoire, parce que je l'aime bien, Pierrot. Et moi aussi. Mais ça va plus continuer, cette situation, merde. Mais calme-toi. C'est drôle, hein. Vous êtes différent à la fac. Ah bon? Je suis comment? Je sais pas. Pas pareil. Je préfère comme ça. Comment? Comme ça, là, maintenant. Vous faites quoi ce soir? Vous réveillez avec des amis? Non, ce soir... Ah oui, c'est vrai. J'oubliais que vous bossiez. Vous voulez toujours pas me dire quel genre de boulot vous faites? C'est sans intérêt. Votre boulot ou le fait de me dire ce que c'est? Merde, les filles. Merde. Ou le mien que tu as voulu dissimuler? Ben, toi, tes lits de fuite, c'est grave. Tu veux toujours pas me dire ce que tu fais dans la vie? Ok, ok, je comprends. Tu connais les vers de rage? J'ai lu un tract d'une fois à la fac, mais j'ai rien compris à ce qu'il racontait. C'est un mouvement anarcho-écologiste qui, pour le moment, reste dans l'ombre. Ah oui? Ça te dirait de prendre contact avec eux? C'est-à-dire entre mon boulot, les études... Tant pis. En tout cas, ce soir, t'entendras parler des vers de rage. Vers minuit, tu seras où? On pourrait peut-être réveillonner ensemble. Peut-être en prison. S'il vous plaît. Hé, le permis! Salut, les gars! Ça dort, ça dort! Ma femme a téléphoné? Non, mais Max a dit que la prochaine fois que tu rates un entraînement, tu plonges dans la réserve. Ça m'étonnerait. 4 buts en 3 matchs, il a bien trop besoin de moi. À bientôt. Mmh.
Moi, je suis pas en avance. Ça va, toi? Tu sais ce qu'il a encore fait, ce con de Max, au foot? Décidément, il supporte pas que je sois le meilleur buteur de l'équipe. Il a téléphoné ce matin. Pour savoir si tu venais t'entraîner. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? À quelle heure il a appelé? Je devais être en route. Il aurait pu me le dire, quand même. Tu étais parti depuis 2 heures. C'est pas possible. Tiens, il y avait de la boue sur le terrain à la preuve, regarde. Et côté short, ça a été? Côté short? Oui, pourquoi? Tu as mis celui d'un copain. Ben non, pourquoi? Alors tu as joué en slip? Mais j'ai le mien! Et tu as pu le mettre? Bien sûr. Qui c'est qui a fait ça? C'est moi. Je l'ai cousu hier soir pour voir. Mais t'es folle ou quoi? Oui, je suis folle. De tes mensonges. De tes maîtresses. Où tu étais ce matin? Et ce soir, où tu seras? Ben justement, ce soir, comme Bussieu est malade, j'ai accepté exceptionnellement. Tu fais 15h, 23h30, non? Non, je me suis porté volontaire pour la nuit. Tu ne respectes même plus Noël, alors. Mais non, c'est pas... Tu sais, pour le short, je m'en suis aperçu, ça m'a même bien fait marrer, puis je l'ai gardé comme ça pour voir ce que t'allais dire. Écoute-moi bien, Joseph. Tu finis à 11h30. Si à minuit tu n'es pas là, tes copains viendront me chercher. Mais avec le SAMU! Sylvette, mais écoute, mais ça va pas. Doudou! Bon, allez, remettez-moi un petit dernier, monsieur Albert. Vous n'êtes pas de service ce soir, monsieur Boscovitch? Eh, c'est Noël, non? Alors, ça s'arrose. Vous fêtez Noël dans votre religion, oui? Oh là là, ouais, c'est bon, là. Ouais, bah, vous savez, moi, les religions, je m'en fous, il n'y a que les fêtes qui m'intéressent, moi. Là. Vous faites attention de ne pas les passer à l'hosto, hein? Non! De toute vous en faites pas. J'ai planqué les alcotestes, personne ne sait où ils sont. Allez! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ça pue, les colas. Ah, dis donc, toi, t'as déjà commencé le réveillon. Oh, Boscovitch, tu sens le pinard jusqu'ici. Avec une caisse de Beaujolais, n'oublie pas de m'y faire goûter. Ah, dis donc, on a intérêt à attacher sa ceinture ce soir. Disons, Poitou, ça va pas le foot, hein. Ça fait le quatrième entraînement que tu rates. Ah oui, je sais, justement. Ouais, mais c'est à cause de toi si l'équipe est dernière au championnat. Non, mais tu rigoles. Bah, n'empêche que t'es à l'amende. Parce que t'es un exemple déplorable pour les jeunes. Ça, c'est la meilleure. Y a que moi qui marque des buts dans cette équipe et je me fais engueuler. Oh, hey. Faut pas confondre le foot et le reste, hein. Dis-moi, c'est quoi le reste? Bah, c'est... Hey, tu sais très bien de quoi je parle. Dis-moi, Langlois, je te conseille de t'écraser, hein. Sinon, tu vas voir ce qui pourrait t'arriver. Oh là, doucement. Et alors, ceux qui vont se taper dessus, ces deux flicards? Alors, c'est Noël aujourd'hui, faut pas s'énerver. Hein? Faut faire comme le petit Lamy, notre étudiant. Regardez comme il est sage, lui, hein? Alors, pousse-toi. Ça va mieux, Pierrot, avec les maîtres? Non, hein, c'est pas... C'est pas vraiment ça. Et puis moi, pour l'aider, c'est zéro. Ouais. Déjà que t'as du mal à établir un PV. S'il vous plaît, Poitou, là, pas d'espantiflic dans la brigade, hein? Bien, chef. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, chef. Alors, bonjour, on est GPS ce soir? Ouais, oui. Vous n'êtes pas encore prêt, on part dans 5 minutes, hein? J'arrive, vous avez une drôle de tête, parce que vu la nuit a été dure, hein? J'ai commencé le réveillon. Ah, oui? Bon, on y va, hein? Bon, d'accord, c'est pas vraiment le boulot dont on rêve, mais en attendant... Bah ouais, mais je comprends, tu sais, c'est bien. Bon, je compte sur toi ce soir. Ben... Mais même avec Mario, ça me fera plaisir que tu viennes. Ouais. Ouais. Allez, je vous invite tous les deux. D'accord. Okay? D'accord, je vais lui dire. Évidemment, c'est en dessous de votre qualification. Tenez. Ah, ça n'a rien à voir.
J'ai un CAP d'électricien, vous m'offrez une place de plongeur. Tous les mêmes, les jeunes, hein. Le seul boulot, c'est toujours pour les autres. Bon, vous prenez ou quoi? Pourquoi pas ramasse-merde pendant que vous y êtes? Moi aussi, je pourrais t'inviter à réveillonner ce soir. Je sais bien, t'en fais pas pour ça, c'est idiot. J'ai pas besoin de ce con-là pour fêter Noël. De toute façon, ce soir, on réveillonnera chez nous. Avec quoi on n'a pas un rond? T'es drôle, toi. La bouffe, ça se trouve. Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? T'es pas le con, Mario! Quand je pense qu'il va falloir supporter une fois de plus cette bande d'imbéciles. Tu sais bien que c'est important pour mes affaires. 15 ans que nous célébrons la naissance du Christ et les projets d'investissement de la Food International Corporation. Je m'emmerde, André, je m'emmerde. C'est toujours triste, Noël. Quand j'étais gosse... Pourtant, il y en a qui s'amusent. Les pauvres, les fêtes, c'est fait pour eux. Ben, il y a des jours, on a envie d'être au SMIC. Entre Joseph et Marie, le fils de Joseph et de prenez la première à droite, là, j'ai une petite course à faire. Je ne sais pas s'il aimera ça. Mais prends autre chose, André. Avec les Américains, on ne sait jamais ce qui leur fait plaisir. Mais de toute façon, il est là pour affaire. Alors tu sais, les cadeaux. Ce qu'il fait comme rôle, le chef, cette année? L'année dernière, il jouait le diable dans une pièce pour les vieux de l'hospice Saint-Vincent. Mais cette année, je sais pas. Il fait du théâtre? Ouais, cette année, il fait le bœuf. Il joue quoi? Bah, un truc religieux. Avec un bœuf? La symphonie pastorale, un truc comme ça. Le blague. Faites de beau cette année, chef. Le bœuf, dans la pastorale. C'est une pièce sur les abattoirs. Mais non, vous connaissez pas la pastorale. C'est une pièce sur Noël. Et vous faites le bœuf? Ben oui, je fais le bœuf. Ben, chef, d'habitude, pour Noël, on fait plutôt de la dinde, non? Tu prends la tête. Ton premier Noël comme flicard? Oui. Tu vas voir comme c'est chouette.
On dirait qu'ils n'ont pas assez des jours normaux pour se foutre en l'air ou se bourrer la gueule ou se cogner dessus. Peut-être que les gens se sentent encore plus seuls ce jour-là. Oui, mais c'est toujours nous qui ramassons leur merde. Eh, c'est notre grandeur, Poitou. Si la police ne vous plaît pas, il fallait entrer au PT. Ben, j'ai échoué au concours, chef. Eh ben, alors ne vous plaignez pas. Je me plains pas. Noël, Noël, c'est la nuit de Noël. La la la. C'est pas trop dur de faire les deux, les études et le boulot. Ça va. Tu sais que c'est très mauvais pour un flic. Pourquoi? Mais parce qu'un flic qui fait des études, ça réfléchit. Et c'est pas bon de réfléchir pour un flic. Toi, au moins, on voit que t'as été de bonheur. Eh ben ouais, mon pote, parce que là-bas, dans nos îles, il y en a pas besoin d'école, dis donc. Eh ben oui, chef. Marc, t'as raison, Joseph. La réflexion au blâme, y a pas loin. Et d'ailleurs... Oh, merde! Oui, de l'inattention, l'accident sur la voie publique non plus. Alors, regardez devant vous, Proskowitz. D'accord, patron. Bon. Pas si vite. J'ai payé? Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est le ticket. C'est ça. C'est ça que t'as payé? Ouais, le chariot est là. Bien reçu, Tune des Trois. Nous nous rendons au magasin indiqué. Terminé. Un petit coup de ton, Boscovitch. Elle avait un tout petit de ton, Valentine. C'est ton ticket, ça. Tu me remets ça en rayon, s'il te plaît. Tu sais, t'as de la chance que ça soit Noël. Regarde ton ticket, ce que j'en fais. Voilà. C'est mon petit cadeau. Allez, et n'y reviens plus. Allez, casse-toi. Qu'est-ce que je vous dis que j'ai payé? Incroyable. Putain. Ça a signalé un vol, là, ce chien. Je suis pas au courant. C'est vous qui avez appelé, non? Ah, non. Ça y est? Vous l'avez passé? Ouais, je... C'est moi qui ai vu à travers la vitrine. Il l'a planqué là, le bouquin. C'est moi qui vous ai appelé. Je vous appelle souvent. Ça manque pas. Les petits salauds dans le quartier. Fais voir un peu tes poches. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, moi. On t'a rien pris d'autre? J'avouerai que vous voulez un livre traitant des calculs différentiels à son âge, ça mérite presque une récompense. Si vous ne portez pas plainte, alors... Pensez-vous, il le fera plus, hein? Oui, il le fera plus. Ça t'intéresse tant, les mathématiques? Oui. Tiens, viens voir, j'ai des choses qui vont te plaire. Au revoir, messieurs. Monsieur. Bon, eh ben, on y va, hein? Eh ben, Poitou, mon vieux. Oui, cher, certainement. C'était pas Pierrot qui répliquait des bouquins pareils. On dirait que tu regrettes. Dis-moi, Jean, c'est quoi le calcul différentiel? Oh,
Je vais y passer la nuit, moi, à te l'expliquer. C'est dur que ça. Vous n'arrêtez pas, ce petit salopard. Écoutez, monsieur... Monsieur Calmar. Monsieur Calmar, je ne vous reproche rien, mais on ne peut quand même pas arrêter comme ça tous les gens pour rien. Les honnêtes gens en ont marre. Moi, je fais mon devoir citoyen. Oui, c'est très bien, très bien, très bien. Mais faites le vôtre, nom de Dieu. Mais oui, allez. Ces petits salauds ont besoin qu'on leur tienne un peu la dragée haute. Très bien, mais... Moi, je fais le comptoir. Tiens. Voilà du boudin. Attroupement, attention, réaction anti-flic. On prend les gommes, chef. Dans les manches. On y va. Mais faire ça une veille de Noël! Ça va pas, non? Je vais rien faire, votre gamine, moi. Mais des maniaques comme vous, ça se fait à l'asile. Saligo! Il suffit de voir les saloperies qui nous passent à la télé. Ça les excite, ces cochons-là. Circulez, dégageons. Allons, dégagez. Allez, allez, circulez, faites dégager, dégager là. Dégagez. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est une folle. Elle est folle. Oui, ça suffit, les beaux papiers. Je les ai pas sur moi. J'ai pas de poche. Il a rien sous sa robe de Père Noël, oui. Je vous jure, j'ai rien fait à sa fille. Bon, j'ai pas de slip, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai laissé toutes mes fringues chez le loueur. Je suis au chômage. Alors, il a exigé même le slip. Il m'a refilé une pression qui tient pas, alors. Exhibitionniste. Obsédé. Oui, bah, ça va comme ça, on va pas passer la journée, hein. Alors, vous portez plainte, oui ou non? Si vous portez plainte, on vous embarque tous les deux. Il y a de la chance. J'ai mon réveillon à préparer. Mais faire ça à ma fille, elle est bien mariée. Je le connais, chef, il habite dans mon immeuble. Ah bon? Bon, mettez quand même un slip, hein. Allez, ça suffit, on s'en va, hein. Allez, ça suffit. On s'en va, si s'en suit. Allez, on vous pousse comme vite. Une équipe de foot, on ne doit entendre que le capitaine sur le terrain. Oh, arrête! Ben oui, seulement toi, t'arrêtes pas de causer. Je cause peut-être, mais je marque des buts. TNT3 à PS21, j'écoute. On nous signale un malaise dans un établissement public au 12, 2x6, du boulevard Philippe Lancien. À vous. Bien reçu, nous irons donc terminer. Accrochez-vous! Et tu sais comment on l'appelle, Antoine? Non. Pied plombé. Hey. Tu comprends pourquoi? T'as raison. Il se croit dans un feuilleton américain. Hé, hey, Moscovite! La vitesse s'est dépassée! Accrochez-vous! Ah oui, c'est vraiment un frustré de la Formule 1. Et quand il baise, c'est pareil. J'ai fini les bêtises là, oui. Oh, laissez, chef. Si vous croyez ça matin, alors. Ça réussit, messieurs. J'espère que vous allez pas me faire l'histoire. Ça va pas, madame. Encore une droguée, hein. Sur Marie Cithierry, un soir de Noël, ça fait toujours plaisir. Oui, chef. Bon, la civière, vite. Madame. Réveillez-vous, madame. S'il vous plaît, allez-vous asseoir. Madame. Allons. Allez, parlez-moi. Quel est votre nom? Madame, réveillez-vous. Comme si elle pouvait pas faire ça chez elle. Il y a vraiment des tordus. Ah oui, c'est ça, comme vous dites. S'il vous plaît. Allons, madame. Mais qu'est-ce qu'il fout, cette civière? Vous lui faites pas la bouche à bouche, chef? Mais non, pas pour ça. Pas pour ça, il faut qu'elle vomisse. Il faut pas qu'elle dorme, surtout. Allons. C'est une TS? Oui, par barbiturique. Thank you.
t'assure que je peux pas venir. Rien qu'au dur. Moi, je t'expliquerai. Les huîtres? Écoute, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Moi, t'as qu'à les bouffer. Salaud! Noël, c'est les huîtres. Foutez-moi le camp, je veux pas. C'est pénible. IND3 PS21. IND3 PS21. PS21, j'écoute. Quelle merde c'est faite. Dis pas que ça te fout le noir. En ce 24 décembre, nous avons décidé de lancer une action d'ampleur dans notre combat pour la défense de la nature. Nous, les vers de rage, voulons porter un coup contre les marchands de gibier qui n'hésitent pas à faire massacrer sangliers, cervidés et autres garennes afin de permettre à quelques privilégiés de s'empiffrer. Tu parles pas des dindes? Ni des oies. Écoute, Luc, on était bien d'accord pour rester sur un terrain purement écologique. Ah non, excuse-moi. Moi, je suis venu pour dénoncer toutes les tueries, celles du gibier comme celles des dindes. Ou des oies. Il est prévu, au printemps, une opération spécifique contre le gavage des oies. C'est pas le moment. Écoutez, les gars, il faut être clair là-dessus. Notre combat ne se confond pas avec celui des végétariens. Alors arrêtez vos salades, hein. Bon, ben, si c'est comme ça, on s'en va. On se tire. Oh. Benoît. Benoît. Mais vous parlez toute la peinture que j'ai achetée alors. Ça fait un sacré trou dans le budget. Oh, merde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pompiste? Je te dis que c'est du gâteau. Mais t'es complètement fou. Ce soir, je t'emmène dîner chez Maxime, un point, c'est tout. Je m'en fous de tout ça, moi. Je reste avec toi ce soir, ça te suffit pas, non? Il va en faire une gueule quand même, beau, quand il va voir tout le pognon que je me suis fait, comme ça, les doigts d'emmener. T'es pas armé, au moins? Quoi? Tu rigoles? Avec une fausse couche pareille, tu mets ta main dans ta poche comme ça, en guise de flingue, et il tombe de l'œil. Il est sceptique, on l'appelle Rasbitume. Le matin, quand il arrive en mob, c'est à peine si ses pieds touchent les pédales. Elle synchronise en nos montres. Ah bah, j'en ai pas. Oui. J'ai repéré deux petits jeunes dans une voiture là-bas. Ah, très bien, monsieur Palmaré. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces deux petits jeunes? Rien, pour l'instant. Mais vous pouvez me faire confiance, hein. Je les sens, moi, les petits saligots. Oui, oui, très bien, très bien. Alors, s'ils bougent, je vous appelle. Eh ben, c'est ça, monsieur Palmaré. S'ils bougent, vous nous appelez. Si voilà. Tous les honnêtes gens y mettaient un peu du leur. Ah, oui, oui, oui. C'est vrai, ça, c'est vrai. Finalement, la sécurité, c'est l'affaire de tous. André, c'est ma peau. Hein. Tu ne pourras pas y faire entrer la graffe. Ah, excuse-moi. Ah, voilà. Ah. André. Oui, ma chérie. Je crois que je vais m'ennuyer plus que les autres années à ce réveillon. Les Américains sont si sensibles au home cooking. Sinon, nous aurions pu faire ce restaurant. Ah, ils arrivent.
C'était quand même gentil de vous offrir un grille-pain. Ne me quitte pas. Je croyais que ça t'aurait fait plaisir, ma yo-yo. Tu ne l'aimes plus, ton Félix, ma yo-yo. Tu m'emmerdes avec tes électroménagers. Tu passes ton temps à m'offrir des trucs de cuisine. J'en ai marre, marre. C'était pas une raison pour lui jeter la figure. Vous auriez pu le tuer. C'est lourd, ces machins-là. Il m'aurait offert un parfum. J'aurais pas fait mal. Ou alors une robe. Même qu'elle m'aurait pas plu. Ça m'aurait fait plaisir, une robe, et ça lui aurait rien fait. Vous lui faites passer un drôle de Noël à votre mari. Lui, mon mari, ça va pas, non? Vous avez vu la ruine? Alors, vous portez plainte? Contre Yolande, non. Certainement pas, monsieur le commissaire. Non, non, brigadier, brigadier seulement. Vous pouvez lui dire merci. Bien. Eh ben, vous allez venir avec nous. Tu vas pas être trop triste de rester toute seule, ma yo-yo. Vous allez vous allonger sur la civière. Monsieur, c'est pour demain, non? La bête n'est plus. C'était moi. Mes parents ne croyaient pas aux fées. Puisque je vous dis qu'on n'envoie pas d'ambulance. Il est malade, il est malade. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Appelez pour les secours, voilà. Tu crois qu'on n'a pas assez de boulot comme ça, dis? Une arabe, soi-disant que son mari est malade. On va pas admettre qu'il est poivreau, sous prétexte que c'est Noël, non? C'est grave, ça? Un cadeau de Noël mal reçu. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est un hold-up. Mais parle plus fort, hein? T'as entendu, Tomiko? Passe à l'action. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce con? Petit, au secours! À l'aide! À l'aide! Au secours! Vite! Attention, je tire là! Vite! Au secours! Tirez-vous! Vite! À l'aide! Petit! Petit! Au secours! Au secours! Il est fou! Vite! 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 Au secours! Arrêtez-le si vous voulez. Mais lui faites pas le mal, il a rien fait. Bon, c'est vous qui avez appelé? Oui, c'est moi qui ai appelé. Parce que lui... Mais il est pas armé. Mais occupez-vous d'elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends bien, c'est ceux-là les plus dangereux. Là, les flics. On n'a pas besoin d'eux, hein, mon bico? Allez, ça suffit, posez ce bras. Dico! Bon, attachez votre lion, poussez cette arme. Mais dites-lui de jeter la sienne, ce petit merdeux. Police! Si vous êtes armé, posez votre arme. J'ai rien, c'était mes doigts. Alors sortez, les mains en l'air.
Allez, avance. Les mains sur la tête. Allez. T'en ordures, là. Mais du calme. Entends le négro vert, ça va. Oui, ça va. Moi, si vous nous laissez faire, ça ira plus vite, hein. D'abord, tous les hirsutes. Hein, les mal peignés, PD. Les nègres, les juifs, on connaît la suite, on l'a déjà vu jouer, c'est triste, et ça finit mal. Oui, ça va comme ça, allez voir s'il y a des gens. Vous venez avec nous? Je peux pas laisser la station. Bon, vous portez plainte? Ah oui, je pense bien. Eh ben, vous passerez demain au commissariat, allez, donnez-moi votre fusil. Tranquille, hein. Ah, il est là, ce con-là. Eh ben, tu vois, avec tes conneries, il y en a un qui la console, et c'est pas toi. Y'a rien. TNZ3 à TNZ1, j'écoute. Un appel d'urgence pour le 7 de la base B, Delta Charlie Delta. Oui. Nous avons un véhicule en route, là. Quelle adresse? 7 impasse Boutet. Ok, bon, bah, écoutez, je le contacte, je vous l'envoie dès qu'il est disponible. Terminé. Pas de problème? Non, pas de problème, patron. M'a traité de négro, c'est con. Pareil, il m'aurait filé une claque ou un petit coup de poing. Les injures racistes, ça rapporte rien. Tandis que ça, j'aurais pu avoir une petite ITT, chef. Quoi? ITT, interruption temporaire de travail. DCD, Delta Charlie Delta. IS-21 bien reçu, nous nous y rendons. On fait un détour. C'est pas trop pressé, j'espère. De toute façon, tu passeras Noël au dépôt, alors. Bien, vous venez avec nous, madame Zitouni? Je peux pas. J'ai les enfants. Ah, vous passez demain au commissariat, on vous dira où est votre mari. Au revoir. Il est mort? Tu vois, si on n'était pas arrivé à temps, c'est toi qui aurais pu être là, sur la civière. C'est bon, je vais l'emmener. Bon, donne-le une petite signature, s'il vous plaît. Alors, les affaires vont pas trop mal? Oui, ben, le continuerons sans nous. Maintenant, nous, on va aller s'amuser. Ah, chacun son tour, hein. Bon. Dites donc, il a pas l'air très frais, votre client, là. Non, à mon avis, vous ne devriez pas perdre le temps. T'as les tracts? Oui. Ok, on y va. Le compte à rebours est commencé pour le pont chez la dinde au marron. Pas trop le trac, brigadier? Ah, si, un peu, mais c'est surtout parce que j'ai pas encore essayé le costume, alors... Enfin, j'espère qu'il ira. Bon, vous savez, les cornes, ça va à tout le monde, hein. Et toi, tu fais quelque chose pour Noël? Non, enfin, je crois pas. Et toi? Bon, moi, je dois présenter Josiane, ma... Ton ami, quoi. Oui, à Pierrot, mon fils, pour la première fois. Moi aussi, j'ai un peu de train. Et vous, Boscovitz, qu'est-ce que vous faites ce soir? Oh, moi, vous savez, brigadier, je suis seul, alors je vais me mettre devant ma télé, une canette, petit canard à Laurent, en surgelé, hein. Bah, si vous faites rien, vous passez à la messe de minuit, à Saint-Dominique. Ah oui, c'est là que vous faites le bœuf? Oui, c'est ça. Mais j'ai rien fait! Petit casseur, je les mate, moi! Oh, mais lâchez-moi, j'ai rien fait, vous avez pas le droit! Attends, la police, tu t'expliqueras avec eux. Non. Qu'est-ce qui se passe, là? Non. Oh, non, c'est pas vrai. Il ne nous lâchera pas, celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il fabrique, là? TND3, PS21, appel d'urgence, le commissaire Leguen va vous parler. Reste en communication. Brigadier, j'en étais sûr. Son complice a réussi à s'enfuir, mais elle ne peut pas rater.
brigadier. Foutez-moi la paix, monsieur Dalma. Ah, enfin, quelqu'un qui vous parle. Ta gueule. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté des tracts contre les chasseurs. Et elle m'a couvert de peinture verte. Allez, les verts. Allô, allô, oui, allô. Bon, allez, ça suffit comme ça, monsieur Dalma. Allez, montez, mademoiselle. Allez, faites la montée. Et allez, oh. J'ai rien fait, allez, on y va. Brigadier, je viens aussi. Non, vous rentrez chez vous, monsieur Calmar, vous passerez demain au commissariat, d'accord? Allez, vous lavez, hein? Allez, bonsoir. Bonsoir, brigadier. Qu'est-ce que tu fais là? Des flics. Et vous vous connaissez? Ah oui, on est à la fac ensemble. Ah, oh, espèce de salaud. Moi qui te prenais pour un type bien. Mais vraiment. L'insulte à l'agent, ça existe, hein? Bon, bah, laisse tomber, c'est ma faute. TND3, PS21, ici commissaire Le Guerne. L'hôpital où vous avez envoyé le dénommé Zitoun Ismaël nous signale qu'il est atteint de choléra. Le diagnostic semble difficile. Il savait en tout cas que vous êtes suspecté d'être porteur de germes, donc contagieux. Restez à l'intérieur du véhicule. Rendez-vous directement au service technique de désinfection. Oh, c'est pas vrai. Où est moi? Eh ben vous, maintenant, vous êtes contagieuse, comme nous. C'est pas juste. Ah, elle est belle, la police. Non seulement elle arrête les innocents, mais en plus elle vous refile le choléra. Ben, c'est pas le moment. Mais c'est vrai, elle a raison. Foutez-nous la paix. Les deux feux rouges, hein, chef, on met l'avertisseur. On va se gêner. Pour une fois que c'est nous les malades. Le choléra, ça se présente comment, patron? Bah, c'est une maladie contagieuse. Ah, d'accord. Il est où, le Larousse? Ah, sur la pluie du fond, je crois, là. Il n'y a plus personne. Si un soir de Noël, c'était à prévoir. Merde, alors. Ils sont drôlement pressés d'aller réveillonner, les collègues. Il y a 10 minutes qu'on n'est plus de service. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut aller à Beaujon. Allez, bon, en route, Bosco. Allez. Ça va faire du village. Vous êtes quand même un drôle de sournois. Quand je pense que vous m'avez embrassé... Tu me lâches maintenant, oui? Et qu'est-ce qui leur prend, ces deux-là? C'est rien, chef, ils se connaissent. Oh, bon. Oui, quand je pense qu'à cause de vous, j'ai attrapé le choléra... Nous aussi! J'espère qu'ils vont m'attendre là-bas. Quel merdier! Pour moi, par mon chat, j'ai personne à contaminer. Dites, chef, c'est quoi au juste le choléra? TND3, PS21, j'écoute. Le centre de désinfection de Brousset est en réfection, on va à la salle pétrière. Bien compris, nous restons à votre écoute. Ah, dites donc, patron, vous ne pourriez pas nous donner des détails sur le choléra? Allons, Gonzalez, vous faites pas de mouron. Il s'agit avant tout d'une désinfection de routine. De toute manière, ça soigne très bien maintenant, ce genre de truc. Et puis c'est peut-être pas le choléra. Non, c'est peut-être le sida. Ça, c'est Boscovitch. Tu vas pas me faire ça. Mais si, André, je m'ennuie. Je m'ennuie trop. J'irai même jusqu'à dire que je m'emmerde. Denise. Pas belle d'être en retard comme ça. Oui, mais en attendant, si on avait le costume, moi je connais le rôle par cœur, je pourrais le jouer. Mais c'est ça que vous voulez depuis le début, hein? Lui prendre son rôle? Ah, du calme, mais ce n'est pas le moment. Bonjour. Bon, t'es tout seul?
Je peux rentrer? Bien fait pour toi. Merci, madame. Tu sais, tu peux m'appeler Josiane. Ton papa est pas encore là? Nous n'allons pas cavaler comme ça toute la nuit. J'y suis pour rien, moi. Ici, on n'est pas équipé pour. Vous devriez aller à l'hôpital. Mais vous savez, un soir de Noël... Je sais, il n'y a pas de miracle. Ah, dites, patron, c'est le quatrième centre qu'ils font, personnel réduit, refus partout. Ils sont bons pour passer la nuit de Noël dans le car. Eh ben, je vous parlais d'un réveillon. Vous avez le numéro de téléphone des familles? Hein? Oui, oui, je vous ai préparé là. Ici. Bah, je m'en souviendrai de mon réveillon. Comme ça, vous n'aurez pas tout perdu. Un souvenir, toujours bon à prendre. Mm-hmm. Allez, roulez toujours, Boscovitz. Il faut au moins que j'essaie de leur faire passer le costume. Brigadier, il faut prévenir chez moi, c'est urgent. L'officier de permanence s'en occupe. Et vous, le Fauderge, vous avez pas une vieille maman à prévenir? Eh, mais moi, j'ai ma fiancée. On t'a pas sonné, toi. Eh, vous n'avez pas le droit de lui parler sur ce ton. Faites-vous respecter, les droits de l'homme, ça existe. Dites donc, vous, ça suffit, fermez-la! Elle est belle, la police. Je crois que c'est pas le moment. Je vous ai parlé, à vous. Non. Alors, hein? Tournez-la, Boscovitz, la première à droite. D'accord, brigadier. Oulala, dis donc, l'essence commence à baisser drôlement, là, il faut faire quelque chose, parce que sinon, ça va pas aller si on continue comme ça, hein. Parce mais que... attention! Mais c'est... Ah, c'est pas moi! Ah, ben ça, c'est amusant, alors! Alors à vous aussi, ça vous arrive, hein? J'avais peur de m'ennuyer, je voulais pas rester chez moi. Vous voulez bien m'accompagner? Merci. Mais ne la laissez pas moi. Bienvenue au club des grands contagieux. Bon alors... Vous avez voulu monter? Oui. Hein? Eh bien alors, vous allez passer la nuit avec nous. Très bien. Ah bon? On y va, Boscovitz? Ben ouais, ça roule. Allez, roulez, ben, roulez, roulez. Bon, ben, maintenant, il faut appeler le commissaire Legan pour dégager la voiture de madame. Vous voulez pas le faire, Boscovitz? Moi? Mais vous faites derrière le commissaire. Oh oui, mais enfin, là, vous savez... Il faudrait appeler le district, brigadier. Je suis inquiet pour chez moi. Eh ben ça va, Poitou. Votre femme passerait une nuit sans vous, ça la reposera. C'est vraiment petit chef, ce ton. Hé, hey, toi, viens voir là. Moi? Eh oui, toi. Eh bien. Ça m'aurait étonné, bien sûr, les clochards et les arabes, on les tutoie. Oui, ça va. Hein? Là, arrête. Arrête. Bon. Bien, s'il vous plaît, monsieur. J'ai rien fait? Non, non, non. Monsieur, auriez-vous l'extrême gentillesse de porter ces paquets dans l'église? C'est pour le bœuf. Quoi? Pour le bœuf. Dites que c'est le bœuf pour la pastorale. Ben, prenez les paquets, hein. Voilà, là, allez.
Comme ça, ils pourront commencer. Il y a un type qui connaît le rôle. Allez, allez, allez. On va où, brigadier? Oh, où vous voulez. En roulant, on a du chauffage, alors. C'est pas chaud. Un temps de saison, brigadier. Ah oui. Non, je suis une de ses amies, monsieur le commissaire. Hein? Oui, je comprends. Non, dites-lui de ne pas s'inquiéter, je vais rester ici. C'est ça. Au revoir, monsieur le commissaire. Ils appelaient pour Max. Enfin, pour ton papa. Il va rentrer que demain matin, mais c'est rien de grave. Il ne faut pas s'inquiéter. Ben, si on ouvrait les cadeaux. Oui, la voiture est vide. Un témoin m'a appelé pour me dire qu'elle a été emmenée par un car de police secours. Rien dans les hôpitaux. Ben, c'est peut-être un enlèvement. Oh, monsieur le commissaire, les faux policiers, ça existe. Ah bon? Avec une bonne désinfection, vous croyez que... Oui, je comprends, monsieur le commissaire. Il y avait un costume dans le car. Si vous pouviez... Un costume de bœuf. Tant pis, il faut y aller. Monsieur Fouque, prenez le rôle du bœuf. Ah. Vous pensez qu'on ne pourra pas le récupérer, ce costume, monsieur le commissaire? Costume de bœuf. Vous ne savez pas s'ils ont pu joindre chez moi, brigadier? Mais ça ne répond pas chez vous, Poitou. Ils m'ont envoyé un gardien. Non, mais faut faire quelque chose, elle est sûrement là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Chier dans cette police de merde. Mais c'est si contagieux que ça, le choléra? Si on nous oblige à passer à la désinfection, je suppose qu'il doit y avoir une raison. Hein? Croyez pas? Ça va, Boscovitz? Fatigué pas? Oh oui, moi, vous savez. On va rouler longtemps comme ça? En roulant, au moins, on a du chauffage. On va prendre des rues tranquilles. On risquera moins de rencontrer des clients. Ouais. Dommage que je puisse pas raconter ça à mes invités. Enfin... La préfecture devrait lancer des réveillons police-secours, Paris by night, poulet au marron. Pourriez faire la dinde? Trop maigre. Pardon, excusez-moi. Madame Poitou, vous êtes là? Ça doit être les toilettes, ça. Madame Poitou, vous êtes là? Ouvrez. Mais puisque je vous dis que c'est un accident! Mais non, mais je ne suis pas punique! Mais non, mais je n'ai rien à en faire des puniques! Mais non, je ne veux pas réveiller! Une bagarre, chef, on s'arrête? Oh non, 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 surtout pas, hein, surtout pas. On s'arrête pas, allez, filez, filez. Oh non, d'accord, d'accord. C'est pas M. Calmar qu'on vient de croiser, hein? Ah bon? J'ai pas fait attention. On l'a rassuré, Poitou. Ben oui, remarquez, j'avais un petit peu prévu le coup, hein. C'est moi qui avais mis des pilules laxatives à la place des barbituriques. Mais elle aurait pu essayer le gaz. Et vous êtes fier de vous. Mais elle est vivante, c'est l'essentiel. Eh ben, j'espère que vous serez un peu plus sérieux maintenant, Poitou. Hein? De quoi je me mêle? Si tu venais un peu plus souvent au foot, ça t'éviterait de cavaler. Pourquoi? Le sport, ça tue la bête, c'est bien connu. Ah. Vous jouez au foot? À la SPP, ouais. Et vous élevez votre petit garçon tout seul?
Ben ouais, faut bien. J'espère qu'ils ne sont pas en train de se jeter des assiettes à la figure avec Josiane. Vous voulez ma photo? J'ai bien le droit de vous regarder, non? En tout cas, vous pouvez toujours courir pour que je vous repasse les polycopiés. Je m'en fous. Je vous rendrai pas votre permis. Dire que je devrais être avec ma femme et la troupe, en train de réveiller à l'heure qu'il est, au lieu d'écouter vos bêtises. Moi, je trouve que l'ambiance est très sympathique. Ouais, moi aussi. J'étais tout seul, autant être là. Et vous, personne ne vous attend? Si. Enfin, je croyais. Mais c'était une erreur. Ouh là là, ça y est, là, chef, on est pratiquement à sec, là. Avec le froid qui fait, on n'a pas intérêt à tomber en panne. Bon, ben, on file à la Villette. Mais on n'a pas le droit de descendre. Et puis la Villette, ça ferme à 20h, il n'y a plus personne, après. Ben, justement. Justement quoi? Oh, chef, là. Le gardien de la paix qui dérobe de les sangs. Il n'y a qu'à Noël qu'on voit ça. Ah oui, hé, dedans, allez. Écoute, tu crois qu'il va se tirer ici? Allez, on y va. Il n'y a pas le plein. Mais ça fait rien, ça fait... C'est des flics. Rassuré pour votre mari? Oui. Il a le choléra. Mais où es-tu? Quoi? Ah, j'en étais sûr. Ah, le commissaire voulait pas me croire, il va m'entendre. Es-tu sûr que ce sont de vrais policiers? Foutez le camp ou on vous embarque. On ne peut plus téléphoner? Non, monsieur, c'est une cabine privée, c'est réservé. Allez ailleurs téléphoner. Allez, circulez. Allez. C'est nouveau? Oui, ça vient de sortir. Allez, circulez. Foutez-moi le camp. Allez. Quelle époque. Et qu'est-ce qu'il demande comme rançon? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, tu t'amuses? Ah, ben, c'est essentiel. D'accord. Je vais faire porter la rançon par Richard.
Ah, j'oubliais. J'ai de fortes chances d'avoir attrapé le choléra. Si, si. Au revoir. Touche pas ça, toi, recule. Allez, allez. Recule, je te dis. Et le clochard, vous lui avez rien laissé? Ben, ça va pas, non. Et le choléra? C'est vraiment bien comme ça. Bien. Je sais pas si tu veux, je prends. Tu veux un peu de... Mais vous êtes beaucoup comme ça, le punk, ancien combattant. Et puisque je vous dis que je ne suis pas punk. Pas pour t'as les cheveux verts. La fête va se terminer en pire. Elles sont vertes. C'est aux épinards. On demande rien du tout. Je demande un instant de silence, s'il vous plaît. Vous toujours chef, demander, chef. S'il vous plaît, un peu de silence. On va laisser parler le chef. Non, le chef n'a pas ses cordes. Le chef. Le chef. Le chef. Le chef. Je voudrais. C'est fini la meuf. Oui, pardon, La pastorale, c'est terminé. Je voudrais maintenant porter un toast à madame Denise Masclavier. Sans qui ce repas de réveillon n'aurait pas pu avoir. Voilà. Un banc pour madame Masclavier. Oui. Un, deux, trois. Non, mais c'est moi qui dois vous dire que je vous remercie de passer un Noël aussi intéressant. D'habitude, je m'ennuie tellement. C'est vrai. Hein. Pas être rigolo tous les jours. Alors. Ben, c'est que elle est un peu. T'as pas écho. Tu vas pas prendre des oranges en prison? Ouais, c'est malin. Okay. C'est fini. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui. Vous êtes là, madame Masclavier? Vous pouvez m'appeler Denis. D'accord. Mais dans le Cap 4-2, tu protèges à la fois le jeu d'attaque et la défensive. Ouais, je me souviens, c'était à Colombes en Coupe d'Antoine. Oui. Vous n'avez jamais pensé à vous marier? Sûrement pas avec le boulot qu'on fait, brigadier. C'est pas conciliable. Je suis marié. Tu me le jures? Quoi? Que je ferai pas carrière dans la police? C'est juré. Ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire, j'étais amoureux d'une fille. Enfin, il y a déjà un bout de temps. Elle était pas juive, alors. Puis là, mes parents étaient encore vivants. Alors, je me suis dit, si je l'épouse, ça leur fera pas plaisir. Et puis, si t'aimes l'attaque, hein, autant que ce soit avec une balle au pied plutôt qu'avec un flingue. Ça méritait pas le choléra. Bon, t'inquiète pas, on va lui embourber sa plainte à l'autre. Quand tu parles de la religion. Oui, vous savez, moi, la religion, c'est pas... Allez. Hey. Chef, regardez! Je ferme les yeux parce que c'est la nuit du Noël.
mais j'espère que ça finira par là. Ah, bravo. Mais non, mais non, oh, mais vous, mais êtes vous aurez jaloux, tout... vous êtes jaloux, moi tout le temps après faire ça. Oh. Dans une heure, on va pouvoir y aller. Ils vont m'entendre à la préfecture. Bah, finalement, ça s'est pas trop mal passé. J'espère que ça a été la même chose chez moi. Bon, à cette heure-ci, ils doivent dormir. Certainement. Oh. C'est pas vrai. Hé, on vous a laissé sortir? Pardon? À l'hôpital. Vous n'aviez pas le choléra? Ah, c'est vous qui m'avez emmené? Oui. Eh oui, et qu'est-ce que vous aviez? La chiasse. C'est des amibes, ça m'arrive souvent. Allez. Joyeux Noël, hein, et merci pour le transport.